y a un peu plus de 100 ans, éclatait la Grande Guerre. En Haute-Savoie, comme partout en France, le 3 août 1914, c'est la mobilisation. Durant 4 ans, les combats d'une violence sans précédent vont coûter la vie à 10 millions d'hommes, dont 1,4 million de soldats français. En Haute-Savoie, le tiers des 2300 conscrits, partis en 1914, ne reviendra pas. 1 700 000 morts, plus de 4 millions de blessés, l'enfer des tranchées, le sifflement des obus, la peur au ventre. On a oublié aujourd'hui l'horreur de cette guerre. Et parmi les survivants, il y a tous ceux gazés, mutilés, traumatisés et qui jamais ne reprendront une vie normale. À la fin de cette guerre totale, l'ampleur du traumatisme est immense dans tout le pays. Chaque famille, chaque village compte ses morts. Ils sont innombrables. L'hommage aux victimes devient une nécessité, un culte. Chaque commune fait ériger un monument aux morts, à ses enfants morts pour la France. Et des plaques commémoratives permettent à diverses institutions de saluer avec reconnaissance le sacrifice de leurs membres disparus. Le monument aux morts de La Roche-sur-Foron est situé place de l'Hôtel de Ville. Érigé au centre de la place, il a été inauguré le 20 novembre 1921. En 1990, il a été transféré dans un angle afin de permettre l'aménagement d'une fontaine centrale. À l'époque, ce monument a coûté 40 000 francs et fut financé par la commune, l'État et une souscription publique pour près de 20 000 francs. C'est un monument de type patriotique, assez fréquent en Haute-Savoie. Le piédestal en pierre blanche est surmonté de deux statues en bronze. Une victoire ailée tenant une palme, avec à ses pieds un poilu mourant, son fusil à la main, une palme dans l'autre main. Sur la partie inférieure du piédestal figurant un drapeau sculpté et les 176 noms des soldats rochois morts au combat. 8 obus reliés par une grille constituaient l'entourage, remplacé aujourd'hui par un parterre de fleurs. À La Roche, au collège Sainte-Marie, une plaque de marbre noir immortalise ainsi le sacrifice de ses anciens élèves morts durant la guerre. Fabriquée par le marbrier tavernier d'Annecy dans les années 1920 et offerte par le chanoine Buna, président des anciens élèves, elle fut placée à l'entrée du collège, visible aux yeux de tous. De forme carrée et imposante, aux angles arrondis sur le haut, la plaque est décorée d'éléments symbolisant la gloire, le civisme et la grandeur des soldats morts. La croix rappelle le sens sacré du don des soldats, à l'image du Christ. Les 67 noms gravés et dorés sont rangés par ordre alphabétique, le nom suivi du prénom, en mentionnant la commune d'origine. Ce vestige fut à l'origine d'un projet exceptionnel qui dura 4 ans. Identifier ces hommes, leur donner un visage et faire un nouveau mémoire du sacrifice de leur vie pour la paix et la liberté. Bonjour Monsieur Mort, je suis Thibaud Douvre et avec un petit groupe d'élèves volontaires de 3e, j'ai participé cette année à un projet de recherche sur les anciens élèves du collège morts pendant la guerre 14-18. Pourriez-vous me dire pourquoi, dès 2014, première année de la commémoration de la Grande Guerre, vous avez soutenu ce projet? Eh bien écoute Thibaud, tout d'abord je suis très attaché au devoir de mémoire. Pour moi il est extrêmement important que l'on puisse reconnaître le sacrifice qui a été fait par les anciens. Pour nous délivrer de cette grande guerre. Et c'est quelque chose qui me touche profondément, donc j'étais déjà très attaché à ce projet-là. D'ailleurs, depuis de nombreuses années, on participe au concours de la Résistance à Sainte-Marie. Pour moi, c'était une évidence de continuer à faire ce travail de mémoire. Le deuxième argument, c'est que je suis un ancien élève de Sainte-Marie et je suis très touché de savoir que ces jeunes qui ont arpenté les couloirs de l'établissement comme moi je l'ai fait plus tard, ont donné leur vie pour que justement je puisse continuer à bénéficier de l'instruction et donc de venir à Sainte-Marie. Donc c'était aussi émotionnellement assez important pour moi. Le troisième point, c'est parce que quand Madame Emmelsout m'a présenté le projet, elle avait pour objectif de le terminer justement l'année du centenaire de l'armistice de cette grande guerre. Et je trouvais que c'était quelque chose de très bien et qui respecte énormément les valeurs de l'ESCR et notamment le avancer ensemble. Nous avons
quatre générations d'élèves se sont succédés pour travailler sur ce projet. Et je trouve que c'est assez important et assez révélateur de ce que nous sommes à l'ESCR. Donc c'est pour ça que j'ai soutenu ce projet, pour ces trois points. Et aujourd'hui, quand je vois le résultat final, je me dis qu'on a bien fait de travailler en ce sens-là. Les objectifs de ce travail ont été multiples pour les élèves. Tout d'abord, il a été question de s'intéresser à la violence du premier conflit mondial et de s'intéresser aux valeurs qui ont pu animer nos poilus pendant 4 ans. La liberté, le patriotisme, le sens du sacrifice, du devoir, la foi. Toutes ces valeurs rejoignent le débat historiographique qui anime les historiens depuis 20 ans, qui oppose d'une certaine manière deux thèses, d'abord celle d'Audouin Rouzeau, qui évoque la camaraderie, la culture de guerre, et de l'autre, celle de Sirinelli, qui évoque plutôt la contrainte, le poids des officiers, de la hiérarchie, pour expliquer comment les poilus ont-ils pu vivre l'enfer des tranchées. Le travail des élèves suit la démarche propre à l'historien, une démarche qui repose d'abord sur un questionnement qui permet ensuite de pouvoir faire un repérage de sources et d'aborder les limites propres aux sources de l'époque. Il s'agit ensuite de pouvoir recueillir les informations pour ensuite pouvoir présenter ce qui a été recueilli. Dans ce projet, un de nos objectifs était de susciter chez nos élèves la curiosité, la soif d'apprendre, de comprendre cet événement terrible, au-delà de l'émotion qui était naturellement suscitée chez eux à la lecture des lettres des soldats, par exemple. Et nous souhaitions aussi former leur esprit critique, car la presse en particulier, bien sûr, était édulcorée et présentait une réalité plutôt embellie du front. Nos élèves se sont enfin plongés dans un projet vraiment interdisciplinaire, reliant l'histoire-géographie, bien sûr, la documentation, le français, la technologie et l'informatique, car dès le départ, notre objectif était de diffuser, de communiquer toutes nos découvertes à l'ensemble de la communauté éducative de l'ESCR et à tous ceux qui s'intéressent à la Première Guerre mondiale, notamment par le biais de ce film, mais aussi d'un diaporama complet sur l'ensemble des soldats présents sur cette fameuse plaque commémorative, par le biais d'une tablette posée au pied de la plaque. Grâce à ce projet, nous avons pu rencontrer d'autres chercheurs, tous passionnés. Devant l'abondance des sources, le nombre important de soldats inscrits sur la plaque et la contrainte du temps, nous avons décidé de travailler par année centenaire, de 2014 à 2018. Durant 4 ans, des élèves volontaires de 3e ont participé à ce travail de mémoire, apportant chacun sa pierre à l'édifice. Ainsi, nous avons commencé par identifier les 19 poilus morts dans les premiers mois du conflit. L'année suivante, nous avons effectué des recherches sur les 20 morts de l'année 1915. En 2016-2017, l'enquête a porté sur les 15 morts des années 1916 et 1917. Puis, en 2018, nous avons travaillé sur les 13 morts de l'année 1918. 67 noms, tous des inconnus à identifier. Nous savions une chose, ils ont vécu dans notre collège, à une époque où celui-ci était en internat. Et puis, certains noms nous étaient familiers, Chamou, Démolis, Rosset. En examinant cette plaque, nous avons donc commencé par nous poser de nombreuses questions. Qui étaient-ils ? Quel âge avaient-ils au moment de leur mort ? Sont-ils tous morts sur le front ? Où, quand et dans quelles circonstances ? Ont-ils posé des actes héroïques sur le champ de bataille ? Étaient-ils mariés ou étaient-ils prêtres ? Quelle était leur profession à la mobilisation ? Pouvons-nous retrouver leurs photos ? Mais où et comment trouver les réponses ? On ne reconstitue pas le passé dans son imagination. On a appris que l'historien travaille à partir de sources, principalement les documents d'archives et les sources imprimées. Des sorties sur le terrain nous ont aussi mis en contact avec l'histoire, comme la visite du monument aux morts et du cimetière de La Roche. La première catégorie de sources sont les sources d'archives. Nous avons commencé par consulter le site Mémoire des Hommes, réalisé par le ministère des Armées, qui propose une base de données exceptionnelle de plus de 1,4 million de fiches individuelles de soldats morts pour la France pendant la Grande Guerre.
On trouve aussi sur ce site des journaux. Des journaux de marche et d'opérations des corps de troupes. Quelques-uns d'entre nous ont eu le temps de consulter ces carnets très détaillés qui contextualisent le décès de nos soldats. Ensuite, nous avons étudié de près les registres militaires de nos soldats conservés aux archives départementales de la Haute-Savoie et disponibles en ligne. Nous nous sommes aussi rendus sur place à Annecy et avons eu la chance d'avoir ces registres matricules entre les mains. Ils comportent des informations très précieuses sur chaque soldat, comme son identité, sa profession, ses parents, sa description physique ou bien son parcours militaire, comme ses décorations et ses batailles. On peut dire que ces registres furent nos documents de base pour notre recherche. Une autre source d'informations intéressante fut le site Mémorial GenWeb, qui contient la base des monuments aux morts de France et la base associée des morts eux-mêmes. C'est grâce à ce site que nous avons pu trouver une photo de certains de nos soldats. Nous avons complété ces sources de base par d'autres documents. Comme on reconstitue un puzzle. Les livres d'or des communes, qui recensent en 1919 tous les morts au combat. Le livre d'or du diocèse d'Annecy, qui rassemble les fiches biographiques de tous les prêtres morts en 14-18. Le livre d'or des officiers savoyards. Les historiques des régiments. Les archives du collège. L'état civil. Et la presse, bien sûr. Une première difficulté a été liée au décryptage des textes. Il a fallu parfois décoder l'écriture spéciale de cette époque. Parfois, c'est l'état détérioré du document qui empêche une lecture complète, comme la fiche du matricule ou encore du registre militaire, parfois aussi de la presse. Ensuite, il a fallu comprendre les abréviations ou encore le vocabulaire militaire, exemple, grade ou encore des récompenses. Le problème du lieu a pu aussi compliquer les recherches. Le lieu indiqué sur la plaque est-il le lieu de naissance ou le lieu de résidence? Ces difficultés ont conduit à beaucoup de prudence et à plusieurs recoupements pour identifier avec certitude les soldats. Un seul n'a pas pu être identifié avec certitude, il s'agit de Joseph Rulan de Doussard. Enfin, il n'a pas toujours été facile d'identifier les soldats. Certains portent des noms identiques. Il y a par exemple trois François Trabichet, nés dans le même village. Lequel est celui inscrit sur notre plaque? Parfois, le prénom ou le nom de famille indiqué sur la plaque n'est pas celui de la fiche d'identité du soldat. Par exemple, Émile Abbé s'appelle en fait Léon Abbé et Georges de Chambost est en fait Georges Riverieux de Chambost. Première découverte. La moitié de nos soldats sont des prêtres, des séminaristes ou des religieux. Rien d'étonnant, car à l'époque de la Grande Guerre, notre collège est le petit séminaire de Sainte-Marie qui prépare les garçons à l'entrée au grand séminaire d'Annecy. Au total, 80% de nos soldats sont des intellectuels. Il y a peu d'agriculteurs et d'artisans. L'origine géographique des anciens du collège est large. Il y a bien sûr des Rochois, mais la majorité provient des quatre coins du département, et même de Savoie. Nous avons aussi été intrigués par leur taille. Le plus grand d'entre eux ne mesure pas 1m80, et la moyenne est de 1m65 seulement. Au sujet de leur parcours militaire, un tiers de nos anciens sont sous-officiers ou officiers. Et on peut dire qu'ils furent tous de valeureux défenseurs de la patrie. Nombreux ont eu une citation à l'ordre de leur régiment. Un tiers a reçu une médaille militaire pour plusieurs actes de courage. Et sept ont même reçu la Légion d'honneur. Les dates et les lieux de combat, au moment de leur mort, évoquent les offensives sanglantes de la Grande Guerre. Les Vosges, la Somme, l'Artois, la Marne, Verdun. Leur correspondance montre à la fois l'horreur des combats et la brutalité de la mort, omniprésente, mais aussi le patriotisme, la foi et le sens du sacrifice qui animaient profondément nos anciens. La plupart sont morts dans la fleur de l'âge. Les plus jeunes n'avaient que 19 ans. Notre diaporama, augmenté d'année en année, dévoile l'identité de chacun des 67 noms. Le journal Le Dauphiné a mis à l'honneur 8 d'entre eux durant l'été 2018. Et un livre diffuse désormais l'ensemble de notre recherche. Quel hommage à ces hommes qui ont su, au prix de leur vie, servir la liberté et la paix. En cette année de commémoration de la fin de la Première Guerre mondiale, les archives prennent d'autant plus de valeur pour montrer aux élèves
des notions qui ont pu disparaître, on va dire, dans la population, et faire le lien entre les élèves d'aujourd'hui et un événement qui s'est passé il y a 100 ans. Ils ont pu ainsi découvrir notamment le patriotisme qui rassemblait ces jeunes hommes qui partaient défendre leur pays, et prendre conscience de cet esprit de groupe et cette volonté qu'il y avait à cette époque-là d'aller défendre le pays. Des noms, des noms, des noms. Les recherches, le travail d'enquête réalisé pendant 4 années par les élèves de 3e sous la conduite et l'initiative de leurs professeurs constituent le plus beau et le plus puissant des témoignages. La plaque commémorative des anciens de Sainte-Marie morts pour la France pendant la Grande Guerre de 14-18 avait été apposée dans l'entrée de l'établissement pour les rappeler quotidiennement à notre souvenir. Votre démarche réanime la trace laissée par ces hommes valeureux, relève leur empreinte et nous rappelle le sens de leur engagement. Aboutit en une offrande absolue, selon l'expression du poète savoyard Jean-Vincent Verdonnet, celle de leur vie consacrée à la défense des valeurs auxquelles ils croyaient profondément. Témoignage de foi religieuse et de conviction républicaine, expression du souci de préserver la liberté, la justice et la solidarité, et in fine, c'est me semble-t-il ce qu'il convient d'abord et surtout de retenir de la transmission de ces grands témoins, la notion prédominante de fraternité entre les hommes. Adieu la vie. Adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés.